Didier Drogba sourit à l'idée que ses détracteurs s'évertuent à le citer quotidiennement au lieu de se focaliser sur les programmes des différents candidats à l'élection du président de la FIFA. Le programme des candidats à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, devrait, en principe, au centre des débats à quelques heures de cette élection qui aura lieu, le samedi 23 avril 2022, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Mais à en croire Didier Drogba, des personnes surfent sur son nom. Drogba n'est pas comme si Drogba n'est pas comme ça, il faut quand même recentrer les choses. Pendant ces deux années, où il y a eu des critiques de partout, personne n'a parlé du programme. Je répète, personne n'a parlé du programme. C'est aujourd'hui, ces dernières semaines que les gens, vraiment, se penchent sur le programme. Mais pendant tout ce temps, c'était Didier Drogba par-ci, Didier Drogba par-là. Il n'est pas comme si, il n'est pas comme ça, a-t-il dit, sur les antennes de Live TV, le mercredi 20 avril 2022. Pour lui, ces personnes le citent nommément parce que le nom Didier Drogba fait vendre. Mais je sais que ça fait vendre. C'est un nom qui fait vendre. Aujourd'hui, en toute humilité, je sais que c'est un nom qui fait vendre. Mais de là, à écrire tout et n'importe quoi à mon sujet. Vraiment ? A-t-il dit avant d'ajouter qu'il en rit, parfois, je m'assois, cela me fait sourire. Et il en faut davantage pour espérer le déstabiliser ou le blesser. Je ne veux pas me morfondre et puis être triste parce que certaines personnes se lèvent et me critiquent. Mais je sais que contrairement à l'image que les gens peuvent avoir de moi, je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un de très terre à terre, a poursuivi l'enfant de Niaprayo. Didier Drogba, l'enfant de Yopougon, il a laissé entendre que l'évocation de son côté star lui fait rire, mais lui fait penser à son parcours atypique, lui, le gamin de Yopougon muni de cailloux, qui s'en servait pour cueillir les mangues, dans cette commune. Lire aussi élection FIF, Didier Drogba présente le projet Renaissance dans une ambiance de fête, je veux dire, limite même, ce côté star, moi, ça me fait rire. Ça me fait plaisir mais en même temps, je me dis, oh, c'est de moi qu'il parle. Moi, le gamin de Yopougon. C'est de moi qu'il parle. J'étais sous les manguiers, à prendre les cailloux et les lancer pour attraper ma mangue et tout. C'est de moi qu'on parle aujourd'hui. Waouh. Ça veut dire que j'ai quand même parcouru un certain chemin et je veux justement que les jeunes d'aujourd'hui s'inspirent de ça, affirme-t-il. Pour terminer, il a fait une adresse au président de club. Cher président, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce qu'aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Ce qu'on vous a fait croire, pendant toutes ces années, je le répète, est faux. On doit avancer. Vous devez être respecté. On doit vous rendre votre dignité. Vous, président qui allez voter, vous connaissez la voie du succès. C'est la renaissance. Et ensemble, on va faire de ce football ivoirien, un football prospère, a-t-il conclu. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.